Daniel Brié, bonjour. Vous avez créé les Parfums de Couleur, qui est une gamme qui se décline en 13 fréquences chromatiques. Est-ce que vous pourriez nous parler de certaines de ces fréquences et de leur utilisation ? On peut parler du rouge, par exemple. Une absence de rouge va, sur le plan énergétique, va qualifier des gens qui ont du mal à gérer leur vie quotidienne. Donc, toutes les tâches de la vie quotidienne, le ménage, ranger ses affaires, la gestion de l'argent, être à l'heure à ses rendez-vous, etc., etc. Enfin, tout ce qui fait les petites choses du quotidien. Par exemple, quelqu'un qui est en manque de rouge, dans ses profils, va avoir de grandes chances de perdre son travail. Souvent, par exemple, un chômeur de longue durée a une déficience de rouge quasiment chronique. Ou alors quelqu'un qui déménage et qui n'arrive plus à réinstaller ses affaires, qui vit dans ses cartons. Donc le rouge va permettre évidemment de réguler ce genre de choses, donc d'être à l'heure à ses rendez-vous, de faire sa vaisselle sans râler ou passer aspirateur sans que ça soit hyper fatigant, etc. C'est-à-dire que le rouge va donner de la vitalité, et va permettre de gérer ses tâches du quotidien avec une grande facilité. Par exemple, ce matin, j'avais une amie qui me disait, mais moi, l'expérience la plus marquante que j'ai eue avec les parfums de couleur dans ma vie, ça a été avec le rouge. Je me rappelle, c'est le premier parfum que j'ai essayé. Et en fait, dès le jour où j'ai essayé ce parfum rouge, je me suis vu gérer mes problèmes administratifs en une après-midi, alors que ça faisait des mois que ça restait en suspens et que j'arrivais pas à me mettre dedans. Bon, bah ça c'est typique, je dirais, d'une action du rouge sur le plan énergétique. Le rouge, par exemple, d'une manière beaucoup plus factuelle, peut vous empêcher de vous endormir au volant quand vous conduisez sur des longs trajets. Ça remplace la tasse de café. Il y a des petites choses et il y a des choses plus importantes. Donc le fait de rétablir la circulation du rouge va vous redonner donc l'énergie nécessaire et surtout va vous dégager de la pesanteur des choses du quotidien et va vous permettre de gérer ça plus facilement et plus rapidement. Le vert, quand on est en déficience de vert, d'abord on a un système immunitaire défaillant, c'est-à-dire on a une perte vraiment d'immunité. C'est le thymus qui est affaibli et on a vraiment de gros, gros problèmes immunitaires. Donc, on ramasse tout ce qui passe. C'est d'autant plus important aujourd'hui avec les événements qu'on vit depuis 2 ans. Mais c'est surtout le fait d'un problème de gestion de la place, de gestion de l'espace. Donc, de l'espace personnel, c'est-à-dire qu'on ne sait pas dire non, par exemple. Les gens vous sollicitent. En plus, comme on est dans le vert et probablement qu'on a une énergie du vert dans ses codes identitaires, les gens viennent facilement à nous et nous sollicitent facilement. Quand ils ont besoin de quelque chose, ils viennent nous voir. Donc ça, c'est plutôt agréable. Sauf que on sait pas dire non. Donc on dit pas non et on perd son vert. La perte de vert, ça entraîne de l'agressivité parce qu'à un moment donné, on asphyxie. On manque d'air, littéralement, on manque d'oxygène, et à ce moment-là, on va repousser les autres par la colère, par l'agressivité, etc. En fait, physiquement, ça libère l'espace immédiat autour de soi. Les gens font plus attention à vous, vous dérangent moins facilement, et donc ça nous redonne du vert. Le fait de prendre du vert, de prendre le parfum vert, va nous aider déjà à prendre conscience de la façon dont on se fait manger, gérer dans notre espace personnel, va faire tomber notre agressivité et va nous aider à dire oui, ou non. mais c'est pas un oui automatique, c'est un oui qui à chaque fois va être un vrai choix. Et ça, c'est le vert qui va amener ça. Évidemment, le vert va renforcer la défense immunitaire
et on va être moins agressif. Une cliente, la semaine dernière, commande un extrait de couleur pourpre. Elle me dit j'ai mal au dos depuis très très longtemps. Qu'est-ce que je peux faire? Oui, elle m'appelle pour avoir un conseil. Je lui dis écoutez, vous prenez un extrait pourpre et vous appliquez l'extrait pourpre dans votre dos sur l'énergie des surrénales. Et puis vous faites ça tous les matins. Elle me rappelle le lendemain, hein, elle me dit j'ai mis l'extrait pourpre. 3 minutes plus tard, je n'avais plus mal. Bon, alors pourquoi ça? Tout simplement parce que l'origine de son mal de dos au niveau des surrénales était probablement purement énergétique et que donc il n'y avait pas de cause mécanique et que même d'ailleurs organique et que le fait d'appliquer ce produit énergétique sur l'endroit en question, ça a dégagé le mécanisme. Voilà. Bon, des exemples comme ça, il y en a des milliers. Alors le blanc, c'est le passe-partout, c'est la couleur passe-partout. D'une part, parce que quand on ne sait pas quelle couleur prendre, on prend du blanc. C'est-à-dire le blanc peut renforcer à un certain niveau toutes les couleurs, toutes les autres couleurs. Ça se substitue pas aux autres couleurs, hein, mais ça vient vraiment les appuyer. Hein. Mais surtout, c'est le dépollueur par excellence. Quand vous allez, par exemple, vous allez dans Paris, vous prenez les transports en commun, vous êtes au contact avec la foule, etc. Vous rentrez, vous avez complètement ramassé toutes les énergies, etc. Vous êtes pollué à fond. Vous mettez du blanc, ça vous dégage. Vous êtes thérapeute, vous avez eu une séance particulièrement difficile. Vous prenez du blanc, respirez du blanc et vous mettez du blanc dans la pièce, ça dégage. C'est très bon aussi pour le jet lag. Là, vous faites un long voyage, un long courrier en avion. Et quand on voyage en avion sur des longues distances, les corps énergétiques ont du mal à aller aussi vite que le déplacement de l'avion. Hein. Donc le champ énergétique il s'étire au fur et à mesure du temps. Et donc quand on est sur des vols de 10, 11 heures, 12 heures, etc. Enfin, au-delà de 4 heures, hein, on arrive, on est décalé déjà par le fuseau horaire, hein, et on met 2-3 jours à récupérer et à se recaler au niveau du temps de sommeil. Si vous utilisez le parfum blanc qui permet déjà d'éliminer les miasmes de la climatisation hein, des avions, parce que l'air des avions, c'est vraiment pas génial. Hein. Donc, si vous mettez du parfum blanc 2-3 fois au cours du vol, vous allez arriver moins fatigué et vous allez vous recaler en 24 heures hein, au niveau du décalage horaire. Voilà, ça c'est quelques exemples. Hein. Ça permet de comprendre comment on peut utiliser une autre couleur dans le quotidien, je dirais, pour réguler des inconforts en fait.